studio Kiné Pilates et aujourd'hui je vais vous proposer un exercice très simple pour détendre le dos et toute la colonne vertébrale. Donc excellent si vous avez des tensions au niveau du bas du dos mais aussi au niveau du milieu du dos ou du cou. Il suffit d'un tapis, de vous allonger sur le sol. Vous pourriez utiliser un tout petit coussin ou juste une serviette pliée en deux si vraiment vous sentez que votre cou part en arrière et que vous avez beaucoup de tension au cou. Sinon, juste votre tapis, ça va être simple. Quelques minutes avec cet exercice et déjà on va ressentir les bienfaits pour le dos. On s'allonge sur le dos. Prenez le temps de vous déposer et de vous installer confortablement. Laissez vos jambes se détendre. Laissez votre bassin et votre dos se déposer. Laissez votre tête s'alourdir. Prenez une belle inspiration par le nez et expulsez l'air en laissant l'air s'échapper de votre bouche légèrement entrouverte, sans forcer l'action, juste en laissant échapper l'air jusqu'à plus d'air. Prenez le temps de vous déposer et de sentir votre corps s'alourdir dans le sol. Laissez votre tête se déposer et prenez conscience des endroits de votre colonne qui sont en dépôt sur le sol. Placez si vous voulez vos mains sur la symphyse pubienne pour mieux sentir où se place le bassin. Et laissez vos bras s'ouvrir et se détacher de votre corps pour mieux laisser détendre les épaules. Vous allez noter la courbe et l'espace qu'il y a entre le bas du dos et le tapis sans rien changer, mais peut-être que vous verrez une différence après l'exercice. On va faire un petit mouvement de ce que j'appelle le petit train. Donc on pousse avec les talons dans le sol, en enfonçant les talons dans le sol, on fait une flexion et dorsiflexion des talons, c'est-à-dire pieds pointés, pieds flex, mais on garde le contact avec le sol et on presse dans le talon. Alignez vos genoux, gardez-les bien dans la traque. Donc faites en sorte que les genoux soient dirigés vers le haut, non en rotation externe ou en rotation interne. Maintenez l'alignement des talons et des genoux. Et juste continuez ce petit mouvement d'automassage finalement. Vous devriez sentir, comme vous pouvez le voir à l'écran, tout le corps bouger. Et c'est seulement en bougeant mes talons que tout le reste de ma colonne se met à bouger. Et c'est un petit massage qui se passe au niveau facial. On fait des petits glissements. Une façon toute simple de s'automasser. Vous pouvez voir que le mouvement s'en vient jusqu'à la tête. C'est un mouvement doux, actif mais doux. Voilà. Observez comment vous vous sentez au niveau du dos et surtout faites bien attention quand vous vous relevez de vous relever par le côté, d'utiliser votre main pour vous remonter en douceur. Ça fait du bien, ça dépose et ça fait un petit massage et ça active les fascias tout le long de la colonne. Voilà, fait que chaque vendredi, je poste un exercice pour un problème ou une douleur. Envoyez-moi des suggestions. On se retrouve bientôt sur d'autres vidéos. Si vous avez envie d'aller plus loin avec mes programmes, vous pouvez retrouver tous mes programmes en ligne sur kinépilates.com et aussi me retrouver en direct sur des cours en ligne sur Zoom. Merci et à bientôt.